Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On se retrouve pour continuer notre aventure sur Oklahoma City. Alors, il se passait pas mal de choses. On a le sergent Marson qui nous disait qu'il allait falloir qu'on clean cette zone. Pour ça, on a quelques troupes mais on s'est fait intercepter là. Donc vous, vous allez où? Vous allez prendre ce bâtiment là. Choupi Snoopy, ça me va bien. L'artillerie, on va la mettre par là. Ça, c'est un Humvee avec mitrailleuse. On va le placer par là. On va utiliser notre plateforme lourde pour tenir cette, cette zone-là, en fait. Comme s'il y a une petite saloperie, là. Là, on est en train de reprendre le véhicule. Je sais plus, on va les envoyer. L'ATO. L'ATO qui est ici, on va l'amener jusque-là. On va se faire une petite ligne défensive jusque là, le temps que tout le monde se mette en position. Essayez d'aller ramasser ce truc. Là on a quoi dedans? On a... Vous allez vous mettre par là. Ok, on se fait allumer ici. Pas cool. Les ATGM dehors. Les snipers ici, vous ici. Il y a quelque chose qui tire là. Il y a un autre véhicule là, ok, pas cool. Vous, vous allez plutôt du coup prendre la place, vous irez chercher la suite après. Notre tour, elle est là. Va allumer ça s'il te plaît, la plateforme lourde là. Toi faut que t'avances par contre, reste pas là. Toi t'as lâché le truc. La plateforme lourde elle a un angle de tir là. Ouais, elle a un angle de tir, elle est en train de se préparer à tirer. Là on se met au sol. Ok, on a pu annihiler le machin avant de tirer un seul ATGM, c'est parfait. Allez en position là. Vous, vous êtes en train de prendre le toit ici, c'est parfait. Ici, ils sont dedans. On peut pas conduire, pourquoi on peut pas conduire? Je sais pas. Ah bah c'était en train de rentrer, ok. Essayez de me shooter ça. Raté, pas de bol. L'auto. Ça c'est celle-là. Ok, elle est partie faire le tour par là, pourquoi pas. Ici, on va péter de l'araignée. Raté, dommage. Ok, ici on est pas mal. Là on a un petit peu mangé, on va réparer quand même. Ça c'est géré, excellent. Donc venez me ramasser ça vous pour refaire vos munitions. On va avancer un petit peu avec nos véhicules légers. Je pense qu'on va avoir du fight à faire dans, ces bâtiments là. Peut-être pas celui-là, il a l'air d'être à peu près clean. On a tué une araignée, il y en a une deuxième, ok. Finalement elle fuit. Elle se fait retirer la tronche. Essaye d'avancer jusque là, on va peut-être avoir besoin d'un peu de renfort là. Là on est plein de monde dans ce bâtiment. On va envoyer... On va vous laisser là vous. On va vous envoyer là, on va avancer avec nos véhicules plutôt. Est-ce que les rangers ils pourraient pas prendre ce bâtiment là, tant qu'à faire? On a plus personne derrière, hein. Si on a, on a des snipes ici, on a Shobby Snippy qui est posé tout en bas du bâtiment, on va la sortir. Voilà, la précision là est pas oufissime. Hein. Elle s'amuse à nous faire tirer. Désactiver nos taux pour le moment. On a trop peu pour s'amuser à tirer sur n'importe quoi. Hey, comms are back up. Must be in range of a transmitter. The wireheads ain't jamming. Alors, sur ce flanc, il n'y a rien.
Ok, très bien. Là, on va tenir avec ça. Vous vous placez hyper mal. Venez plutôt par là, tant qu'à faire. Et on va les laisser là. Comme ça, s'il y a des trucs qui se pointent, soit d'ici, soit de là, ils sont capables de se les faire. C'est plutôt pas mal. Ah, là, on voit du monde. Des petits homoncules. Ok. Où sont nos snipes? Chubby Snippy est là. Ou l'autre snipe? Sniper squad standing by. Dans ce bâtiment-là, c'est pas hyper ouf. Venez là plutôt. Pato, ici, du coup. On va se placer par là. Command knows all about how you helped those deserters in Vega and sabotaged our mission there. Ah, les mecs. Ils sont vraiment pas sortables. You and your men are deserters and outlaws and hereby sentenced to death. All Founders units have orders to attack. Le mec en costard cravate, quoi. You're blocked from our comms network. We don't want you spending more. Bien. Well, guess we ain't Founders anymore. What are we gonna do? Tell them to go to hell and go back to Albuquerque? Those are our people from Haven these fanatics are sending to their deaths. We can't leave them behind. So what's the plan? Clear our name by rescuing the other Haven survivors. Then deal with the Legion's strong point here. The Oklahoma meat grinder won't use up any more good lives. I hear that. With the wirehead. Okay, c'est un sacré programme. Ok, vous, j'apprécierais que vous m'éliminiez cela. Parce que ils ont des anti-tanks. Vous, vous avez quoi comme portée? Vous pouvez essayer de sniper ça. Allez-y, Shobby Snippy, au taf. Oula. Ok, une plateforme de transport armée. Réactive ça, toi. Shoot là. Non, il y a déjà eux qui sont en train de tirer. Désactive. Eux, ils vont l'allumer. On devrait duper les autres unités de fondateurs. Là, c'est fait. Excellent. Faut qu'on tienne la zone. Ils ont ramassé... Ouais, ils ont fait le plein de leur soie, c'est excellent. Là il nous reste encore un petit peu d'ATGM. Là il nous reste un. On va attendre que eux aient tiré. Quand ils auront plus d'ATGM, je pense qu'on les foutra dans un quelconque véhicule. Il faut déjà qu'on élimine ça. Est-ce qu'on a buté? Suis avec un sou, excellent. Là il y a, merde, il y a une, oh, un anti-char ici là. Pas cool ça. On est capable de le shooter d'ici. Tu t'avances beaucoup là. Tu t'avances beaucoup trop. Attends, sa mère. En arrière. Il y en a une deuxième. Un anti-aérien. Ok, ça c'est moins grave. Oh putain. L'artillerie, ça pique. Ok, on va essayer de progresser un peu. Faut qu'on se défonce celle-là, mais c'est de l'anti-aérien, ça devrait aller. Ouais, on va tenter un deuxième tir du coup. Faut qu'on se faufile entre les bâtiments. Je pense que c'est là qu'on va être le mieux protégé de l'artillerie. Si on peut dire. Vas-y, allume. Excellent. Ça, c'est cool. Ok. Du coup, ici. Alors, si on veut traverser cette zone alors qu'il y a l'artillerie qui tape, ça va piquer. Là, on a quoi? Un véhicule avec taux. Et on a aussi ces deux-là qui sont ici, là. Qui pourraient faire le taf. Avancer un peu. La plateforme lourde. Elle nettoie. On n'a pas de fumigène ici, hein. Pas de fumigène, on fait avec ce qu'on a.
Toi, tu t'es un petit peu fait taper. Go. Les snipers, ce serait bien qu'ils progressent. En vrai, ce serait bien qu'on aille dans ce bâtiment et qu'on tienne ce bâtiment. Ça, c'est une ruine. Ici, vous êtes à peu près à l'abri entre les bâtiments. Réparer. Allez, faut allumer là. Putain, le foutu mode de loup là. Ici, pareil, il y a des trucs qui sortent. Ok, c'est des modes de loup. Ok, on peut faire venir plus de monde. De l'artillerie. Alors, notre sort artillerie, c'est notre petite plateforme à obusier. Mais je pense pas qu'elle compte comme une artillerie. Hein. Non, elle compte pas comme une artillerie. On peut faire venir un char. L'Abrams ou le Sherman? Le Sherman ou l'Abrams? J'avoue que j'hésite. L'Abrams c'est plus polyvalent, mais on a vu qu'on a quand même du très gros. Par contre, il a 12 tirs. On va prendre le Sherman. Mais il va falloir qu'on amène du... Ah, on pourrait amener un Bradley, là. On va amener un Bradley, hop, pour compenser un peu. Transport blindé. On va amener deux transports blindés avec de la troupe dedans. Genre, il faut toujours qu'on aille choper le truc au nord. On va prendre les Rakam. Et puis une escouade de Malboum. Allez, c'est parti, vendu. Et dans l'autre, on va prendre une escouade de milice. Voilà, ça c'est parfait avec un fusil d'assaut amélioré. Et il nous reste du véhicule léger. Est-ce que les ravitaillements ça compte? Ah, on peut pas amener de ravitaillement du tout. La vache, ça pique. Ça pique, ça pique. Du coup, peut-être qu'un petit canon sans recul. Ça ferait plaisir, un petit canon sans recul. Allez, go pour un petit canon sans recul. Par contre, lui, sans ravitaillement, il va vite être inutile. Hein. Ouais, on va le garder peut-être pour plus tard, on va prendre l'Abrams. On va prendre l'Abrams, il est plus souple. Mitrailleuse lourde et le canon lourd là, 18 munitions. Plus sa petite mitrailleuse. On peut prendre plus personne, de toute façon même du transport. On n'a pas la place de mettre un pilote de plus. Ok. Bon, ils apparaissent en plein dans le jus, donc ils nous disaient c'est ça. Là il y a du véhicule. Qui s'est un peu fait péter les fesses. Ça en dirait un Abrams, ça. On a quand même un Striker. Dommage, il y avait un véhicule de ravitaillement, là. On a potentiellement un Striker et un Humvee bien bouffé, mais le Striker a l'air en état. Par contre, l'artillerie, ça va être tendu. Hein. Ce bâtiment, il est considéré comme solide. Ouais, ils sont considérés comme solides, les bâtiments, c'est déjà ça. Alors, déployons-nous un petit peu. Genre un peu derrière les bâtiments pour en moins encaisser. Là on y va avec du plasma. Là on a notre artillerie. Ici on a notre transport qui est arrivé un peu de nulle part. Go. On va essayer de prendre cette zone. Alors il n'y a pas beaucoup de couvert, mais on va nettoyer cette zone et après on va essayer de prendre les bâtiments. Je pense qu'on va pas se précipiter pour franchir la ligne ferrée parce que à mon avis dès qu'on sera de l'autre côté ça va être la teuf. Donc vas-y, viens là toi. Le Bradley, viens là. Je sais que vous m'avez dit de pas être trop agressif hein, dans les commentaires. Faut avouer que c'est pas simple hein, de laisser les unités loin et tout. D'autant plus que là, on n'a pas du tout de quoi se ravitailler. Toi, tu peux tirer jusqu'où avec ton lance-fusée? Jusque là, ouais. On va devoir vous laisser là. Là il reste encore des ATGM. Ici on est pas mal. Là je pense qu'ils ont la capacité de tenir tant qu'il y a de la munition en tout cas. Il n'y a plus de munitions, bah, on visera. L'artillerie. On va essayer de l'avancer jusque là. Peut-être pas dans ce temps. Non c'est bon. Ils sont pas en face. Ici elle sera très bien. Là ils sont en train de réparer comme ils peuvent. We're gonna destroy it. Easier said than done. Enemy there. It ain't just a military base. C'est quoi ça?
Des meutes de loups avec du tir à plasma. Pendu. Est-ce qu'on peut tenter de traverser là pour prendre ce bâtiment? Peut-être. Peut-être, peut-être. Alors là, on a amené des troupes, mais dans l'absolu, j'aimerais bien qu'on puisse s'en servir. On va quand même envoyer une petite unité là. J'aimerais bien qu'on puisse s'en servir pour aller en haut là. Mais c'est pareil, je pense que même si techniquement on a une autoroute là, à mon avis, ça va pas être aussi simple. So we seize the gates and hit the underground factory. Get it? You know how much nasty wirehead shit's gonna be waiting for us down there? Then we blow up the gates and trap them all underground. That'll work for a while. And then the factory wireheads will just build themselves a tunnel and stuff and dig new routes back to the surface. Then what's the answer? How do we take out that factory? Bon, pour l'instant, on n'a pas de solution pour se débarrasser de l'usine et... Ardarin dans le bâtiment là, il résiste. Pour le moment, ils tiennent le coup. Du coup, j'ai envie de tenter de traverser la route avec eux. Là, eux, ils avaient réparé, mais ils sont déjà repris un tir d'artillerie, donc c'est normal. On va re-réparer. Ah, là, on a un véhicule là. Ok, plateforme de transport armé. Il va nous falloir de la TGM parce que là, on a notre plasma là. Casse contre tous les véhicules. On va rester en position stationnaire. Se préparer à allumer s'il décide de venir. Ouh, ça pique. Est-ce que toi tu peux tirer dessus? T'as assez de portée? Ouais, mais pareil, c'est planqué derrière un bâtiment, c'est pas hyper utile. Est-ce qu'on avait notre... non, notre MV est là. Okay, c'est bon. Faudrait qu'on prenne ça. Est-ce qu'on a des gens inutiles? Genre toi. Non. Toi, on va réactiver ça. On va t'amener un peu plus dans le jus. Couvrir cette zone, hein, vu que là, il y a toujours eux, là. Ouais. Azul TGM, ils ont toujours deux munitions, ils tiennent un petit peu l'arrière. Ces deux véhicules là, cette zone là elle est tellement tendue à traverser avec l'artillerie qui tire. C'est chaud du cul. C'est chaud, c'est chaud. Après on voit pas trop d'ennemis pour le moment à part celui là. Et ça c'est un véhicule de transport, il a dû nous amener du monde, c'est obligé qu'il nous amène du monde. Obligé qu'il ait amené du monde. On va progresser avec l'Abrahams. Le MV, j'aimerais bien mettre du monde dans ce bâtiment. Est-ce qu'on a des troupes disponibles? Pas tant. Là, il y a Shobi Snippy. Le Bradley, on sent qu'il a envie de tirer par là-bas. Ah, là, il y a quelque chose qui tente de passer. Une meute de loups. On va avancer le Bradley, lui on va le mettre par là également pour qu'il nettoie. Ok, bon là on les allume, ça c'est cool. Alors là du coup est-ce que je sors du monde pour aller dans ce bâtiment? Ou éventuellement dans ce bâtiment? Une escouade d'ATGM capable de tirer en face là, ça ferait tellement plaisir. Lui il est toujours planqué, il tire pas pour le moment. Là c'est clean. On va donc tenter de progresser jusqu'ici. Soutenu par des gens. Oula, alors toi tu te fais allumer. Alors là on... C'est l'orgie pour se débarrasser de deux pauvres chiots, mais tant pis, c'est la vie. Ici il y a un espace, ouais, ici il y a un chemin. Donc attention à ce qui pourrait nous tomber dessus sur la droite. N'est-ce pas? Toi tu vas essayer de te planquer un peu derrière le bâtiment là. Toi t'es quand même un Bradley, ça va. Vous allez progresser jusqu'ici plutôt. Shobi Snippy, on va les embarquer là-dedans. Non, ça sert à rien. Il y a juste une rue à traverser, on va les mettre là. Ici, nos bâtiments. Nos véhicules sont remis. Donc on va pouvoir avancer peut-être jusque-là. C'est quoi? Mitrailleuse et ATGM. Ok, ATGM, on va en mettre un là. Mitrailleuse, on va aller ici.
Alors là ça bouge là. Qu'est-ce qui se passe? On a des homoncules. La même unité d'homoncules, est-ce qu'ils ont de la TGM? Non, on dirait que c'est du fusil d'assaut plutôt basique. Ouais, on tire mal nos grenades là malheureusement. Si c'est bon. On est capable de les tirer en tir quand même suffisamment. Suffisamment raccourci. Alors c'est quoi qu'ils avaient? Une mitrailleuse avancée, ok. Ça va, globalement, nos trucs font le taf. Ici, on se fait allumer. Toujours l'artillerie, je pense, parce que je vois rien d'autre. Là-bas, il y a toujours que ce foutu véhicule qui reste caché. Ici, on s'est pris un joli tir. On peut essayer d'avancer jusque-là. Ah, je le sens mal, là, je vais aller un peu plus gentil avec ça, parce que je sens qu'ici, ça va être la merde, là. Là, c'est quasiment en ligne droite vers l'artillerie, donc à mon avis, il y a de la saloperie. On va quand même amener le Bradley, parce qu'il a du taux. Pas très loin. Où est notre autre véhicule à taux? Ça, c'est Shubi Snipey, ça, c'est de la grenade. Elle est où notre homme vie à taux? Je l'avais pas envoyé là? Ah, il est là. Okay. Ils sont tous les deux là. Ok. Très bien. Là, il a commencé à tirer, lui. Non, c'est pas lui qui tire. Je sais pas qui tire, mais c'est pas lui. Le transport blindé, limite, je pourrais lâcher. Toi, tu vas jusqu'ici. On va lâcher eux là-dedans. Là. Parce que là, ils font de la merde en tirant n'importe où. Là, il y a un autre véhicule, il avance. Il y a un ATGM qui a tiré. Où ça? J'entends un tir d'ATGM. Oh la vache! Le tir d'ATGM à travers le bâtiment, là, dans les couloirs, qui arrive à sniper le véhicule. Magnifique. Honnêtement, il n'y a pas d'autre mot, c'est magnifique. Du coup, ils sont en nombre. Alors là ça bouge, ok, là ça bouge. Ça c'est une plateforme de transport. Si on s'est pris quelques tirs dans les roues, rien de critique. On progresse là. Ici j'ai bien envie de rester là avec nos grenades, on couvre une bonne partie de cette zone. On a du monde encore là. On va progresser avec le striker. Toi ça mériterait un petit peu de réparation. Le striker on va l'amener jusqu'ici. Ils ont eu l'occasion de tirer, toujours pas. Là ça va, on manque un peu de reconnaissance éventuellement pour avoir une vision, mais ça va. Shubi Snipey se met en position, mais on est déjà loin. Ça serait bien s'ils allaient là en vrai. Et vous, ça serait bien si vous alliez là. Là, plus de munitions. Ok, c'était un taux. Ça passe ça? Non, ça passe pas, dommage. Du coup, vous allez venir jusqu'à ce MV là, qui m'a l'air d'avoir une mitrailleuse, jusqu'au striker, plutôt jusqu'au striker. Deuxième taux là, après t'arrêtes de tirer parce que c'est quand même un tir de merde. Putain. Alors la Brahms, qu'est-ce qui lui fait aussi mal que ça? C'est quand même pas cette saloperie. Écoutez-moi ça. Il doit y avoir... Ah putain, il y a des refs ici, ici. Et là une spider, ok, en arrière. Ah non, c'est l'artillerie qui fait aussi. Ok, excellent. Désactive-moi ça. Là on a nos escouades qui ont pris leur place. Ici on a quand même un bel angle de tir sur cela, mais il y a quand même du bon ref 6 ici là. Qui va allumer. On va mettre toi ici pour avoir un angle. Toi tu couvres cet endroit. Eux ils sont en train de courir au milieu de la zone. Pas de stress. Vous je vous ai demandé d'aller là. Donc venez là. Qu'est-ce qu'on se fait tirer dessus? Non, c'est nous qui tirons. Okay, c'est nous qui tirons. Très bien. Ok, t'es de là toi. Ici. Faudrait qu'on se débarrasse des Terminators avant de... Putain, mais qui c'est qui nous snipe
sale bête quoi. Terminator F6 là. Faut qu'on aille rajouter de la grenade sur le champ. Là on va fumigéner un peu la zone. Là c'est nettoyé, il reste un homoncule ici mais il devrait être assez vite géré. Eux ils ont pris une belle position en hauteur. Essayez de shooter ça. Putain ça... Ça allume hein. Ok, allez là, Shobby Snippy. Donc vous, vous sortez, vous allez prendre le petit MV là. Toi tu vas rester là, toi tu restes là. Toi tu fais ton taf d'artillerie de manière plutôt efficace au final. Il y a une autre Spider ici. Non, je pense que ce qu'on va faire avant de franchir, c'est essayer de faire ça là. Une fois qu'on aura évacué cela, éventuellement choper des hélicos ou je ne sais quoi d'autre, on aura peut-être d'autres renforts. En espérant qu'ils nous tirent pas dessus à vue, bien sûr. Alors là, on va reculer. Ah, on peut plus bouger. Merde. On a plus de moteur. Ok, alors là, c'est pas le moment de sortir pour. L'artillerie, elle est à portée là. Parce que là, les enfoirés avec leur triple canon, là. Ils sont juste derrière l'angle en plus. Ils font un peu mal au cul, quoi. Vous avez quoi comme portée, vous? Si vous étiez dans ce bâtiment, vous pourriez tirer. Mais on va plutôt vous mettre dans celui-là. Là, on ramasse ce striker, s'il vous plaît, les gars. J'entends des tirs de... Ah merde, c'est en feu, là. Au sol. Et on a un angle tellement pourri. Si, on est quand même capable de leur balancer quelques trucs, on a réussi à s'en faire un. Là c'est quoi? C'est des spiders, ok. Ça serait parfait pour notre véhicule à plasma, mais il est HS. On va essayer d'aller jusqu'ici avec toi, pour qu'on ait un peu plus de mitrailleuses. Pour s'occuper de ces cons. Ça c'est une escouade qui a de la cheux? Non, c'est pas une escouade qui a de la cheux. On lui a fait un tout petit peu mal. Tu veux pas t'occuper de ça, s'il te plaît? Allez. Vas-y, sors du nuage de fumée. Ça, c'est fait. Redésactive ça. Ici, il n'en reste plus qu'un. Nickel. Là c'est toujours en flamme. Toi t'es en train de te préparer à aller là. Là c'est clean, hein, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ici ils ont récupéré ça. Ici ça donne quoi là? On prend cher mais c'est à cause de l'artillerie je pense. Eux ils se sont retapés. On a toujours notre véhicule d'artillerie ici. Mais on a quand même pas mal évacué la zone. Je pense qu'on va récupérer les squads d'Ardarine. On va ramener un transport par contre, parce que là, si on court au milieu de la zone avec l'artillerie qui nous tire dessus, ça va pas être la même. Non, il est tellement planqué là. Qu'est-ce qui t'arrive, Saxon? Sérieux mec? Franchement, t'as un autre à foutre. Bon, il faudrait qu'on le fasse sortir de son trou. On va avancer avec lui. Ouais, parce que du coup, on est en train d'utiliser toutes nos munitions sur un foutu F6 tout seul, là. Ça m'emmerde un peu. Viens là, toi. Ok, c'est bon. On a réussi à se les faire. On n'a plus de munitions, mais on a réussi à se le faire. Qu'est-ce qu'il portait? Mitrailleuse M134. Vous me reprenez ce bâtiment là. D'accord, ils arrivent dans mon dos. Ah putain, dans le dos de mon truc là. Saloperie. Vite, en position. En position. L'Abrahams, bah écoute, tu répareras plus tard, mais on a besoin de toi ici. On a qui pour défendre là? Bah on va avoir Ardarine du coup.
Hop, c'est parti, montez là-dedans. Toi, faites-moi le cul de ce truc. Et bim, tiens, dans ton fion. Ah, ça fait pas plaisir ça, hein. Bon, par contre, du coup, il va popper du monde ici, là. Des tireurs d'élite, ok. Là, on a quoi? Du tireur d'élite. Là, un MV. Qu'est-ce qu'ils ont laissé tomber? C'est quoi ça? Fusil de précision. Une grenade, ça. Ok, on devait avoir des rangers, là. Malboom 2 n'a plus de munitions. Ok, est-ce qu'on te fait descendre pour prendre ce MV? Ouais, vas-y, viens là. Au pire, ce serait même plutôt eux qui devraient aller le prendre, le MV, mais on va peut-être attendre un peu que ça soit un peu moins le bordel. Là, il faut qu'on répare parce qu'on peut plus bouger. On progresse plus, là. Ça m'embête. Ah, il y a une foutue. Non, merde. Restez là. Il y a une araignée, là. C'est qui lui a fait mal comme ça? Je ne sais pas. Bon, les tireurs d'élite, là, on va les allumer. Ok, il va nous falloir du monde, du coup, pour défendre cette double zone-là. Là. Avec ce qu'on a comme munitions. Bon, on va utiliser ce striker ici. Et puis, bah, ce striker ici, pourquoi pas. Bon, lui, il est mi-munition. On va voir ce qu'il y a dans ce MV-là. Vous rentrez là-dedans. En avant. T-Force, you reading us? This is Team 4. Copy, Team 4. Where are you? Got held up, but now coming in from the south. Hold on, Team 4. That area may not be clear of hostiles. Too late, sir. We're already here. Ok, très bien. Hélicoptère, artillerie, char, véhicule de combat, transport blindé, ravitaillement léger. Ah oui, on amène tout le monde là. D'accord, ok, bah go. Donc il nous reste ça comme char. Hop, 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 hop. Alors les véhicules de ravitaillement, le HMTT, on a dit qu'il était à sec. Lui il est à sec, lui il est demi à sec. On va peut-être pas y aller quand même, hein. Ah, on a une remorque de carburant là, que j'ai foutu. C'est toi, ouais, ça sert à rien. On va se détendre, on verra si on peut ramener d'autres trucs plus tard. Ok, maintenant dans les véhicules, qu'est-ce qu'on peut mettre? Dans ce MV, on met ça. Dans ce MV, on met Mazamara. Dans ce MV, on met l'autre Mazamara. Tranchant 1, je me suis gouré. Ici on met brouillard 2. Ici on va mettre Alastre. Et on a fait le tour sur les trucs de 3 personnes. Ok, maintenant le reste. Il nous reste un blindé M113 dans lequel on peut mettre 11 personnes. Ça fait ça et ça. Et après dans les Bradley, on a un Bradley dans lequel on peut mettre une escouade d'infanterie, ça me paraît pas mal. Là. Les géants, c'est ceux qui ont les mitrailleuses à plasma. On peut amener deux troupes supplémentaires. On va prendre plasma pierre. Et Flinch le pirate. Tactique d'écran de fumée améliorée, ouais. J'aurais préféré une IEM mais pour pouvoir éventuellement pirater des trucs, mais bon. Alors est-ce qu'on peut emmener d'autres choses? Véhicule léger, on a tout pris. Véhicule de ravitaillement, on n'en prend pas. Plus artillerie, hélicoptère, on n'en a pas. C'est parti. Alors par contre, ils vont arriver genre en mode à l'arrache. Toi, tu t'occupes de ça. Ok, c'est le bordel. A priori, on voit pas grand-chose, cela dit. Notre plateforme lourde, là, a fait le taf.
On nettoyait à peu près cette zone. Par contre, on est considéré comme de l'autre côté, du coup. Ce qui veut dire qu'ici, il faut vraiment qu'on avance. Faut qu'on se blinde ici. Quelle saloperie, quoi. Le relou, là, l'autre casse-couille. Ça pourrait être pas mal de venir direct poser une petite plateforme légère, là. Notre petite plateforme légère. Vas-y, viens là. Et après, on ira. Ok, ici faut qu'on avance. Je pense qu'il n'y a plus grand monde sur le chemin. On va commencer à progresser. Toi tu viens là. Vous, je vous avais demandé d'avancer ou pas, je sais plus. Vous allez ici. Vous, vous finissez de me réparer ça rapidement. Le Bradley va revenir sur la route pour aider un peu. L'Abrahams, là on a tout nettoyé. Vas-y, répare. On a dit on laisse les strikers. Vous, vous sortez, vous allez me prendre ce MV, on va voir ce qu'on peut en tirer. On va reculer un peu pour éviter les tirs d'ATGM dès qu'ils sortent, si jamais il y en a. Ok. Là on a un Bradley, on va avancer. Transport blindé avec des anti-tanks dedans, pareil là, on va avancer. Toi, je t'ai déjà donné tes ordres. Ok, en avant. Maybe we just gotta move on and find an easier target. We're not giving up. What about Major Stevens? He might be in that base. Founders have thrown everything they could at that place, and they still ain't taking it. Maybe it can't be. Personne y commence à lâcher l'affaire, quoi. Maybe we just ain't got the strength to shut this place down. Wait. Maybe you're right. Wish I wasn't. It could be just the way it is here. No, what you just said about shutting this place down. Huh? You're right. We don't have the strength to shut this place down. But Legion does. We're gonna get the wireheads to shut down their own base? Yeah. Remember what Legion is. A distributed system spread out everywhere. Every small part of Legion is Legion. Okay. Keep talking. It's supposed to be its strength. But it's also a vulnerability. If you attack one small part of it, even just a single terminal, then you can infect the whole system. But the wireheads ain't that dumb. Otherwise, we'd have cooked up some computer virus to take them down long ago. Anytime part of the system comes under attack, they just isolate it and shut it down. Hey, wait a minute. Now you see it. We convince Legion that the factory's been infected, and it'll shut the whole place down itself. Okay. Do that, though. Come on, we're fist. We're gonna have to find a network connection point. Right. Then that's our new objective. We're bad guys? Okay. T'as vu, c'est le contact avec les squads de Sanctuaire, le QG des Rangers, ça n'a pas changé. Ici, il y a du monde. Des petits Wu. On va leur défoncer le cul. Faudrait qu'on pose nos plateformes là, genre dans les espaces un peu à découvert. Je pense qu'on va les allumer là, non? Les allumer. Alors toi. C'est une plateforme d'appui de feu, hein. C'est pas le truc à la tête. Il a réussi à endommager le système de rechargement de notre Rails direct. Ça, c'est un foutu Spider anti-char. Où sont nos taux? On a des taux? On n'a pas de taux? Ah putain, on n'a pas de taux. On a un hit ici, un HE. Le Bradley, ok, il faut qu'il se pointe ici. Et qu'il nous allume ça rapidos. Là, si je me pose ici, le problème c'est qu'il y a ce foutu truc qui est en montée là, donc ça ne sert à rien. Vous allez essayer de prendre pied ici, Plasma Pierre et compagnie. Putain, ils sont à poil, Plasma Pierre, j'aurais peut-être dû les recharger. Se poser là. Là, on va où avec eux? Je sais pas, mais on y va. Ah oui, je voulais les placer à cet endroit-là, je crois, pour qu'ils puissent tenir. Ok, ici on a avancé agressivement et il y a du monde. Il y a toujours ce spider, ici des homoncules sans anti-tank, et sur la gauche là, des meutes de loups. Très bien. Démonte-moi ça, toi. Tu vas te poser ici. Là. Tu vas avancer jusqu'ici. Vous, on a besoin de vous là-bas, vous êtes déjà en train de descendre normalement. Malboom. Bon, toi c'est pareil, en avant. Malboom.
3, ils sont vides. Est-ce qu'il y a des sous à ramasser quelque part? C'est pas impossible qu'il y en ait quelque part qui traîne. Là, voilà, go. Là, on répare le char. Très très bien. Vous, du coup, vous avez des sous, en vrai. Donc, allez-y, venez par là. Là, c'est fait pour la saloperie. Ok, très bien. Maintenant, il reste les unités au sol. Wop. Putain, c'était quoi ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qu'est-ce que c'était que cette grosse saloperie? Putain. Ah la vache. Ouh, on a touché, ça nous a sifflé aux oreilles, mais c'est nous qui avons touché. Waouh. GG les gars, GG, c'est bien joué, on va prendre cette position du coup assez facilement, on va récupérer ça, il va falloir qu'on avance, mais on va arrêter l'épisode là parce qu'il est largement assez long, je vous vois petit gourmand, je vous vois, ok, ça se passe pas trop mal, n'hésitez pas à me laisser du coup un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite, ciao ciao tout le monde.